Le sermon que nous avons reçu aujourd'hui de la part du secrétariat général des affaires religieuses était axé sur la nécessité d'une constitution pour un peuple, pour une nation, partant du fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a émigré de la Mecque pour Médine, après la construction de sa mosquée, il a fait un écrit qui a la valeur de constitution, qui régularisait la vie entre les musulmans et les non-musulmans, et entre les musulmans et les trois cités juives qui étaient autour de Médine. Voici la première constitution pour nous les musulmans, qui a été apprécié par les autres nations du monde entier. Ça, ça fait maintenant 1400 ans. Donc, ces jours-ci, nous avons le CNT qui est en train d'accomplir sa mission principale. Nous a montré un projet de constitution, un avant-projet de constitution qu'il est en train de vulgariser. Notre sermon d'aujourd'hui invite tous les fidèles musulmans à s'intéresser à ça. D'abord, à chercher à comprendre qu'est-ce qu'il y a dans cette constitution pour être apte pour le référendum. C'est pourquoi j'ai formulé deux doléances à la haute attention du CNT. La première doléance, c'est la vulgarisation de cet avant-projet de la Constitution après l'amendement, vulgarisé par tous les moyens, surtout par les mass-médias, notre télévision nationale, les radios rurales, les réseaux sociaux, hein, mettre ça dans les clés en français et dans toutes les langues nationales, pour que les citoyens soient imprégnés du contenu de sa constitution, sans lequel il ne peut pas vivre. Donc voici la première doléance que j'ai adressée à la haute attention du CNT, présidé par Dr Dansa. Deuxième, c'est la mise en valeur de la constitution que nous allons voter. Parce que nous avons vu ici une fois, hein, le projet que les gens ont voté, c'est pas ça qu'on nous a présenté après le référendum. Ça, il faut éviter ça. Ça, c'est une haute trahison de la nation. Ça ne se doit pas faire. Donc, voici les deux doléances que j'ai adressées. Tant que, en ce qui concerne mes co-citoyens, mes frères de Guinée, mes soeurs, hein, c'est de s'intéresser. S'intéresser au problème de la Constitution. Parce que la vie de la nation en dépend.